Bienvenue à Prestige et Collection. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la mythique GT40. Comme vous pouvez voir, c'est pas une vraie, c'est une GTD. C'est des répliques qui étaient faites en Angleterre et qui avaient l'homologation de Ford. Donc cette voiture est de 1982. Alors GT40, comme vous le savez, 40, c'est pour la hauteur de la voiture qui fait seulement 40 pouces de haut, 1,02 m. Vous pouvez voir, je mesure 1,76 m, donc c'est vraiment très très bas. À l'avant, comme vous pouvez le voir ici, vous avez les entrées d'air, donc l'air rentre par ici, traverse le radiateur et ressort par les gros ventilateurs qui sont là pour aller sur le pare-brise et passer au-dessus du véhicule. Donc moteur V8 forcément, moteur Ford avec 4 carbus. Donc vous pouvez voir ici, là il y a tout un système d'extincteur automatique avec les deux pompes à essence que vous voyez là-bas. Parce que si ça prend feu, il ne faut pas finir comme dans le film. Donc on appuie sur un petit bouton pour éteindre le carnage. Donc vous voyez les lignes d'échappement qui sont quand même bien spécifiques. Assez spécial, des gros pneus et toute l'ossature de la voiture. On voit très très bien comment elle est conçue. Alors pour rentrer dans la GT40, on appuie sur le petit bouton ici, ce qui fait sortir la poignée. Et la porte s'ouvre, donc la porte est découpée parce que pour rentrer dedans, sinon on ne pourrait pas, à cause des réservoirs. Donc ici, vous avez un grand réservoir qui se remplit ici et il y a exactement le même en face. Donc deux réservoirs et le moteur qui est placé derrière, à même pas 5 cm des oreilles. Voilà. Donc il faut passer par-dessus le réservoir pour pouvoir monter dans le véhicule. Donc ici, vous voyez, vous êtes bien installé, vous voyez le volant. Le levier de vitesse qui tombe juste sous votre main, très pratique, mais par contre c'est une boîte inversée. Donc la marche arrière, vous l'avez ici en haut et la première est en bas. Donc c'est première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vitesse ici. Alors c'est un coup d'habitude, hein. Mais vous allez voir, vous allez vite vous habituer. Donc les pédales, on a vu. Ensuite vous avez énormément de compteurs. Donc le compteur de vitesse qui est complètement à gauche. Ensuite, les deux réservoirs, donc il y en a un ici, un deuxième là. Et ça fait un peu peur parce qu'on est assis entre deux réservoirs d'essence. Et si vous regardez bien dans le rétro ici, vous avez vu sur le moteur qui est à 5 cm de votre tête. Ici, le contour et les différents manomètres de température avec ici les petits interrupteurs. Donc celui-ci, c'est pour les pompes à essence, donc pompe à essence de gauche ou pompe à essence de droite. Et ici, les clignotants. Alors, il faudra faire attention quand on va conduire, parce que si vous vous trompez, vous allez couper le moteur. Il n'y aura plus d'arrivée d'essence. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à faire un petit tour. Vous êtes prêts? Allez, on y va!